malade. Et bonjour internotatrice et internotateur. Ici Galen pour les jeux du cygne et son compagnon éternel. Et bonjour tout le monde. Donc, éternel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a J'attendais qu'on démarre et je vais assaulter les nains. Il assiège Karakazul. J'ai une troisième armée qui vient d'arriver. Une troisième armée. Deux, c'était pas assez. Ouais, peu de mouvement. Par contre, chez moi, ça bouge bien. Donc, on a au tour précédent, on a fini par. Je suis un zombie, ça bouge pas très vite. Hein. On a fini par vaincre ici. Alors, je vais fermer les level up. Je vais sortir le héros qui est quand même un peu dans le mal. Je vais lui donner chef de meute. Hop. Toi, tu vas prendre. Une arme caudale. Là, tu vas te prendre l'étoile de Malpierre avancée ++. Il est bien le sort armure des ténèbres sur le sorcier des chines ou pas? Le truc qui fait résistance aux projectiles +50% et armure +50. Tu t'en as Je l'avais pas sur celui-là. Non, mais sur l'autre. Oh, je me souviens pas l'avoir lancé. Tu t'en es pas servi. Comme c'est toi qui te servais principalement de la mana, du coup j'essayais de te la laisser un maximum. Donc, D'accord. Par contre, étoile en Malpierre, tu t'en es pas mal servi. J'en suis un peu servi, mais c'est pas fou parce que c'est un projectile direct, donc ça demande une ligne de vue et tout ça. C'est quand même pas les. Ouais. C'est pas les sorts les plus efficaces. Ouais, mais alors je peux baisser le coût en magie. Bah, ça coûte déjà pas grand chose, ça coûte 5. Hein, mais... Ouais, bah, je peux le faire passer à 3. Peu, hein, je l'ai utilisé quelques fois, mais c'est, ouais. C'est pas ce qui est le plus facile à utiliser. Ok. Clairement. Bon, et ben. J'ai fait un peu de dégâts avec, Oui, ça permet de faire un gros knockback pour sortir un perso qui est dans la mouise. Non, ça arrive jamais, ça. Ouais, mais c'est bien avec les revenants. Mais bon, avec Eshin, c'est moins utile. Mais c'est vrai que les sorts d'Eshin sont quand même pas géniaux. Hein. Franchement, les sorts de base... C'est pas fou. C'est... Les sorts de base, c'est quand même pas ouf. Ouais, je vais quand même reprendre l'armure de bah, disons que surtout comparé au Warp Surge, ça. Qui est quand même une tuerie pour un sort de démarrage. Donc il faut sortir lui. Tout a tendance à être un peu pas lourd en comparaison. Faire une victoire décisive. Sans perte. C'est bon, tu as repris le contrôle de ta ville. J'ai repris le contrôle de ma ville. Je vais te mettre à toi. J'ai pris un parchemin de protection. Je vais utiliser un peu de bouffe. Pour que elle soit directement au niveau 2. Et on retourne dans l'armée. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré comme bâtiment du coup? Ce qui fait de la croissance, et ben on va le garder, puis ben on va reconstruire le bâtiment pour les coureurs nocturnes. Et... Ah oui, c'est ça, c'est que en plus t'as perdu ton bâtiment dans le recrutement du coup dans l'affaire. Sinon, c'est pas drôle. Je vais me recruter. Allez, des vermines de choc. Ça fout un peu mon économie HS, mais bon. Allez, et on avance. Avec Snitch. Clan Ashen Assassin. Hop. Je t'emmène là. Ouf. Une armée de souris pas loin. Ah putain, les armées de... J'arrive pas à retenir le nom, le truc du grand plan là, c'est encore que des souris.
Il n'y a rien d'autre. Ah, il a viré. T'as pas fait un pacte avec eux? Si, si. Bah, non, j'ai pas fait de pacte. Non, il n'en voulait pas. D'accord. Bon, bah, je vais me faire de la bouffe. Oh, un pillage. Oh, je pille à 115 maintenant. Hop. Là, j'ai de l'attrition. C'est normal. Alors, toi, du coup, je vais pouvoir aller chasser. Est-ce que tu es trop loin? Tu es trop loin. Donc, je vais me fufuter. Et je te chopperai au prochain tour. Ok. J'ai des beaux bâtiments, mais j'ai pas de thunes pour utiliser. Ce qu'on peut y faire, c'est un peu con. Il reste un bâtiment possible. Ah oui, là, je voulais faire. Ah, mais j'ai pas assez de sous. Tac. Diplo. Toujours rien. Ah si, j'ai des missions alliées. Ouais, je n'ai plus vraiment besoin. Alors... Toi. Ah. Si, alors ce que je pourrais faire, plutôt que de... Ah, Caracazul. Ouais, décisif, sans perte, allez. Tu vois, il fallait l'assiéger. Et ramener une troisième armée. Et dans le doute, frappe encore. Et toi, du coup, tu vas te mettre ici. Si je pouvais choper la caravane, ce serait bien. Alors, c'est déclarer la guerre à qui? Ah, province du Nord. Ouf. Évidemment, je t'appelle pas. Et non, merci. Ça arrivera bien suffisamment tôt. Je vais l'utiliser mes points chez Mulder. Je suis pas à côté, normalement, je risque pas grand chose. Plutôt que de récupérer 155 pauvres sous. Ou je les laisse passer. Moi, j'ai 11 000 PO. En même temps, de toute façon, ça sert à rien. Je vais juste pour faire des PO si je m'en sers pas derrière. 11 000 PO, bourgeois. Non, banque. Recrutement allié. Chez toi, il n'y a rien d'intéressant à recruter. Les Mulder, par contre... Pas encore, ça va peut-être pas tarder. Je viens de lancer le niveau 4. Allez, vent de mort. Chez Mulder, je peux récupérer de la cata. Vent de mort, ça y est. J'ai mon premier vent de mort qui vient d'arriver. Des ralous poison. Non, ça peut être sympa, les ralous. Allez. Prenons des rats de poison. Allez, fin de tour pour moi. Moi, ça ne va pas tarder. Si j'ai peut-être de la construction à faire quand même. Bongulch. Non, Ashridge. Première ligne. Ah bah non, c'est tout. Pour ceux qui sont en guerre. Non, je veux pas faire d'avant-poste, arrête. Est-ce que j'ai de la diplo? Non. Ce qui est amusant... Ah, j'ai même pas chopé de baiser de sang. Je viens de détruire une faction et j'en ai pas chopé. Non, il faut que tu... C'est les seigneurs légendaires qui te donnent des... Ou les chefs de faction. Bah oui, mais de fait, c'était un chef de faction. Vu bah peut-être pas, si le chef de faction avait été tué... Ah, il était peut-être down, ouais. Okay. Ouais. Tant pis. Non, toujours pas d'outpost, tu m'énerves. Allez. Les cités souterraines ont été découvertes, mais ils les laissent telles quelles. Ça m'arrange. Bon, ça coûte quoi? Ça coûte 1500, je crois, pour les détruire.
AFK. Le nombre de factions diminue sans cesse. Ça ne peut aller que dans ce sens-là, de toute façon. Oui. T'as une déclaration de guerre, je pense. De la part de Soleil Grisé, ou alors il veut faire un PNA, je ne sais pas. Je vais mettre en pause. Allez. Ok, c'est donc une déclaration de guerre. Oh là là. C'est la horde qui vient de Ouais, pop. je sais, c'est là. Ah! Il Morse t'attaque. a refusé. Ah, merde. Ouais, évidemment, du coup, il m'attaque mon armée toute seule. Bah, tu recules. Ouais, il a essayé d'attaquer les deux armées indépendamment les unes des autres. Et résultat, au prochain tour, il s'en mange trois d'un coup. Embuscade déjouée, putain, 80%. Moyennant quoi? Je vais lui tomber dessus et il va pas comprendre son malheur. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Bah si. Là, il a un peu de monde. Victoire la Pyrrhus, perte moyenne, mais pas de perte d'unité. Putain. Alors que là, il y a une vraie garnison, plus une armée. Bim. Enjoy. Hop. Je disais donc, mon grand. Il y a trop de trucs sympas à développer avec, avec les persos. Ah, une petite attaque dévastatrice. Tiens, bizarre, maintenant c'est lui qui recule. Troyard. Shuffle this way. Move us. For the night. Le problème c'est que du coup t'as plus ton alliance défensive, ton alliance avec Morph. Qu'est-ce qu'il a? Il m'annonce autant de casse quoi. Ouais, c'est les orques, hein. On Les va la orques. jouer, hein. Et ben voilà, ça nous changera un peu. Bah, il a de la cavalerie. Et voilà. Bah vas-y, fais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, victoire, la Pyrrhus. Et t'as que deux armées sur les trois. T'as pas la troisième. Oui, c'est assez ridicule. C'est quoi? C'est que tu perdais du zombie? Ah, c'est que je perdais intégralement ma deuxième armée Ouf! et les deux tiers de ma première armée. Non. Si, si. Oh la vache.
Et B. Je coupe. Et voilà. On y est. Ah si, il a deux archers. Ouf, deux archers. Mais... Ouais, il a 6 unités de cavalerie. Ah oui, et puis c'est du gros, hein, c'est... Ouais. Non, c'est même pas des costauds. Ah, il y a deux big guns, hein. Ah oui. Non, c'est pas sa cavalerie. Donc... Deux costauds, ouais. Je suis pas très très inquiet. Je suis pas ultra inquiet non plus. Je suis pas certain que mes renforts ont le temps de faire grand chose, mais... la question, c'est comment on la joue. Est-ce qu'on essaye de l'enfermer avec le déploiement d'avant-garde pour éviter qu'il fasse trop de contournements? Ouais, sachant qu'il faut que je fasse gaffe, parce que c'est sanglier, c'est de l'anti-large, donc il faut que je fasse gaffe à mes... à tout ce qui est Ou, chariot. si... ou sinon, t'attends. Sinon, j'attends mes renforts, je suis pas en très bonne position, mais. Ouais. De toute façon, t'es dans la pente descendante. De toute façon, c'est dégueulasse comme position. Donc... Est-ce que je peux y déplacer? Le Si truc, c'est que t'as beaucoup de monde de toute façon, donc. Ouais, non, ça c'est pas terrible, toi, sans quoi qu'il arrive. Donc... Puis là, ils vont arriver pour les sortir, les zombies, ça va être chiant. Hein. Non, c'est juste pour récupérer mon Strigoi. Qui, Bah, lui, a moyen de faire un peu le café, mais. Sinon, tu fais. Genre une ligne comme ça. Et une ligne comme ça. Oui, c'est ça, histoire de l'enfermer. De toute façon, lui pourra pas passer. Je vais foutre mes catapultes en contrebas et puis en faire comme ça. Ça arrive de pas être folichon comme bataille. Ça va pas forcément être ultra intéressant. Mais j'ai du vent de mort maintenant. Ah. C'est mieux. Sympathique modèle que les orques sauvages. Une néographie. C'est. Attends. C'est exactement les mêmes modèles, que ce soit les orques sauvages sur sanglier ou les costauds. J'ai l'impression. C'est. En fait, tu peux pas faire la différence visuellement. Ouais, même pas au niveau des peintures ni rien. J'ai pas l'impression, non. Oui, effectivement, ça a l'air d'être. Ah, ils ont disparu du coup. Ils ont tous un pectoral d'os, je sais pas, bizarre. Ah oui, je les vois plus. Passons. Allez. Pas 100 fois 4. Oui. C'est un sorcier ou son lord? Non, c'est un prêteur. Non, non, c'est du grunt. Avec les katas, tu devrais tirer sur l'infanterie. Oui, mais c'est juste que comme on avait déclenché avant. Et mes renforts arrivent. Ouais. Un peu plus de zombies. Là, il y a moyen que ça. Ouh, les archers, ils ont pas aimé. Bah ils sont bien paqués donc Ah dommage là. Ça arrive. Tiens, je te file la partie nord. Tu peux me... Ouais, si tu veux. Alors, mon nécromant avait son vent de mort. Ah, là, t'as moyen de faire un joli truc. Oui, je pense. T'as une belle, belle enfilade.
souffle. Ouais. Ouais, si, un peu. Correct. Alors. Je me suis fait charger. Hop. Oui, on voit pas grand monde par contre. Toi, tu prends ça. Toi, tu invoques ici. Tiens, je te file les spiritos avec. Ouais, mes copains. Je sais que t'aimes bien t'amuser avec. Ok, c'est bon pour moi. Bon, je resserre un peu. Le problème, c'est que j'arrive pas à savoir lesquels auxquels j'ai donné des ordres ou pas. Là, en fait. Je t'en ai envoyé au nord aussi. Bon, apparemment, ils ont tous leurs ordres. Okay. Ouais, ça passe nickel. Oui, non. C'est... Réseau auto complètement fumé. Sachant qu'en plus, de toute façon, vu qu'il a fui, il y a même pas besoin de poursuivre. Tout est en train de fuir déjà. Des cochons qui veulent pas fuir. T'as vu l'état de ton moral, Coco ? J'ai pas lâché. Là, il y a un groupe qui va récupérer. Non, j'ai un groupe au nord, enfin au sud. À moins qu'ils sortent. Ils ont 60... Ah non. Allez, lâche là. Perds du temps. 3-4. Ah non, il a encore... Il a... Non, ça récup un peu. Il a récup un peu partout. Ah mais d'accord, c'est que j'ai trop de monde, j'ai encore des renforts qui ont pas pu rentrer. Le seigneur ennemi mort. Ça devrait faire le taf. Allez, voilà. C'est fini. Victoire décisive. Je t'en foutrais de la vaillante défaite. C'est quoi ce délire? De quoi? J'ai une horreur des cryptes qui s'est fait des pop? Non. Ça doit être... Ça arrive des... Ouais, j'espère. Hein. Si je les ai gardés au fond pendant toute la... La bataille des à 22 000. J'ai une catapulte à 22 000, une à 10 000. Ouais, ça va, j'en fais un peu le taf. Ça va.
Oui, c'est bizarre. Il passe pas ce coup-là, hein, parce que. Ce serait quand même un comble que sur les 71 pertes que j'ai eues, il y ait un régiment entier d'horreur des cryptes. Ça me ferait mal aux fesses quand même. Tu m'étonnes. Surtout des horreurs des cryptes transettes. Ah. Qu'elles sont avec moi depuis le début. Il a réussi quelques charges. Même faire des charges sur des zombies, quoi. Pas trop dur de réussir des charges sur tes zombies. Non, puis l'impact est pas fou, quoi. Alors, verdict. Et oui, heureusement qu'elles ont raison, hein, mais je vois pas comment. Allez, c'est bizarre. C'est curieux quand même. Hein. Bon, passons. Des Ouais. sous, allez. Heureusement qu'elles ont rêve. Ouais, ça m'aurait vraiment fait chier. Faction détruite, tout ça pour ça. C'est eux qui ont commencé. Moi je leur avais rien demandé, c'est eux qui m'ont déclaré la guerre. Bon, allez, on va se faire Nagavizar. Y est. Bon, j'ai trois armées, oui. Bon alors, toi. J'ai l'impression qu'il y a une armée qui a disparu. Peut-être que je la vois plus. Oh, s'il y a plus sa deuxième armée, ça va être un carnage. Là, on va y aller comme ça. Attaquer les unités, bof. J'ai pas un petit héros assassiné là. 6 000 le bâtiment de marque. Hop. Alors lui, il finit de récupérer avec. Ça c'est mon chef qui peut ressortir. Là, il n'y a pas de Ah, mur ça y est, je l'ai chopé endommagé. mon 6e point. Là, par contre, ça a compté. Là, j'ai chopé un Blood Kiss. Bah, et puis c'était un chef de faction. Ouais. Je choperais bien quand même une autre unité de tireurs des fois. Au cours des. Cours des goûts. Et pour ça, il faut que j'attende un tour, j'imagine. Ah oui, non, je peux revoir les cours des goûts de base. De tour ici. Je la montrerai par là. Rien de régène. De toute façon, je suis coincé. De meute. Tac. Toi, je te laisse ici. On pillage. Ouais, je pille à 115. Histoire de me faire un peu plus copain avec avec Nirvigne. Ah, tu piges chez elle? Ouais, tu cherches là. Eh bien, tiens. Ah, je peux faire du commerce avec la dent d'or. Et en fait, il est tellement dans la mouise que T'es en bon terme j'ai un avec. accès, j'ai un accès à un commerce avec lui. Un Gengor là. Bon bah écoute, ça fera 80 Là, j'en viens points. presque à espérer du coup que ce soit les nains. Parce que là, j'ai Grimgor au nord, j'ai Skarsnik juste à l'est, et un tout petit peu plus loin, j'ai Urzag.
Donc ouais, finalement les nains c'est bien. Enfin, bon, là, ça se rapproche, hein. Peut-être Torgrim qui est pas loin quand même. Oui, mais il n'y a que Torgrim, ça en fait un. Oui, j'ai Torgrim et Ugrim, mais je sais pas. Disons que la différence entre les nains et moi, il y a du Skaven. Entre les orques et moi, il y a pas grand chose. Deux guerriers des clans boucliers, deux guerriers lanciers boucliers, et deux rats au grand plus. Et là, ça m'apporte. Oh! Ouais, non. Ouais, si, parce que. Si. Bon, allez. Bon, je vais bientôt avoir des Vargeists. Et des Mongules. Pour je commencer à jouer un peu autre chose que du zombie. Ouais! Puceau. Bah c'est dommage, dans ma troisième armée celle qui a pas pu joindre et il y avait un Black Coach et des Graveguard mais du coup il a pas vu. C'est tellement plus rapide, j'ai fini mon tour. Toi aussi. Oui moi aussi. Ah le Black Coach si quand même. Qu'est-ce qu'il veut, Rictus? Rictus qui déclare la guerre à Karak-Kadrin. C'est les rouges? Bon, ça va, c'est loin pour toi. Normalement, ça devrait pas m'impacter tout de suite. Ça va juste pas te mettre en très bon terme avec. Avec Torgrim? Oui. Et pour l'instant, on n'est pas encore en contact, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on finisse par se mettre sur la gueule, de toute façon. Ouais, c'est vrai que le rapport de force, même moi avec Grimgore qui suis plutôt plus en forme que toi en termes de puissance. Non, non, mais il est bon lui, s'il décide à péter. Ça va piquer. Ah non, sa deuxième armée a repop. Deuxième armée de qui? De Nagajisa. Ah. Elle avait disparu un moment. Elle était au radar. Ah, tu veux essayer d'échanger la ville du clan Morse contre. Oui, parce que bah, je vais d'abord la booster un peu histoire de lui donner un peu de valeur. Mais c'est une capitale que je veux lui échanger donc ça peut peut-être l'intéresser. Contre un Morse reçu, ouais. Enfin. Contre qui? Contre Scryer, putain. Attends, est-ce que j'ai pas des. Qu'est-ce que je peux recruter sur Scryer? De toute façon, j'ai pas de sous, donc je vais pas pouvoir recruter grand chose. Collection des héros, coup de recrutement des héros. Allez. On continue là-dessus. Je peux pas encore recruter les coureurs nocturnes qui vont bien. Donc je vais me mettre à piller un petit peu en attendant. Ça fait toujours 233 en plus. Toi, tu es un héros qui va bientôt mourir. Ah merde, je peux pas avoir ce temps. Pourquoi je le sens mal? Comment ça se fait que. Putain. Ah, il s'est assassiné.
Succès. Bien. Ça c'est fait. Entretien moins 13%, je prends les deux meilleures relations avec les autres Skaven, je prends aussi. Je vais mettre. Legstails move. We camp here, here. Ah, je peux presque faire la paix avec les loyalistes. Avec tes jaunes. Bah écoute. C'est bon pour moi. Pas pour moi. Étonnant, non ? C'était bon pour moi. Puis finalement, ça l'était plus. Victoire la Pyrrhus. Pas de perte. Et ben, go. Restez neutre. Compteur de corps a souffert de lourdes pertes au cours de plusieurs batailles. Pour Snitch. Blades hidden, blades ready. I serve only the dragons. Ouais, j'ai peut-être fait une connerie là. J'ai peut-être bien fait une connerie. Et t'as fait encore comme bêtise. Verra, je vais peut-être me prendre deux armées sur la pouille. Mais bon, c'est deux factions différentes, donc ils n'arriveront peut-être pas à se coordonner. Et moi, je suis pas en très grande forme. On verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce que je te prends pour toi maintenant ? J'ai pris tout ça. Mission armée du héros. Bah oui. Bah oui. Alors, est-ce que je peux avoir de meilleurs sorts ? Tornade noire, immense zone d'effet immobile, plus un vortex, ou encore un debuff. Allez, la tornade noire. Night Lord. Vitesse plus 10 pour les coups mortels et trine. Et ça c'est quoi? Champ du succès de l'action numéro, d'accord. Donc ça c'est pour... Oh là là, mais il y a tellement de bons trucs. Puissance de tir. Ammunition. Ouais, c'est trop, c'est trop utile. Allez, on va prendre ça. Lord of the Assassins. Qu'est-ce que tu m'as construit là? Un truc totalement inutile. Address me as Sir Lord.
C'est péter ces murs. Toi, t'es pas déplacé, mais je m'en fous. Tac, tac, tac. Ok. Amélioration de bâtiment. Bon. Je vais faire lui parce que là j'ai le port et ce bâtiment là qui augmente la croissance. Ok, fin de tour. Ah merde, j'aurais pu faire ça encore. Ah du coup j'ai pas fait mon contrat avec Morse. Trop de trucs à faire en Skaven. C'est ça. Bah, j'ai un territoire qui est plus étendu que le tien aussi, non? Comme je suis attaqué de tous les côtés. Avec Snitch, tu peux être à peu près tranquille contre le chaos, quoi. Si tu arrives à faire le ménage. Je sais plus trop. Partie des questions que je me pose. Je sais que moi, mes relations sont pas très très bonnes avec le chaos. Que si j'arrive à prendre tout Kataï ou la majeure partie, est-ce qu'ils continueront de venir m'emmerder depuis le nord? Est-ce que le bastion, je sais pas comment c'est géré le bastion quand c'est ni Kataï ni le chaos qui le possède? De toute façon, il n'y a rien. C'est dans Chaos Realm qu'il y a les invasions. C'est pas faux. Mais il y a quand même le bastion dans. Oui, il y a quand même les trois portails. Mais bah, je sais que les autres que KT ne pouvaient rien construire sur les bastions dans Chaos Realm. Immortal, je m'en rappelle plus. Il me semble que tu peux construire dans Immortal. Je verrai. Tôt ou tard, je risque de m'y retrouver, donc. Colonia, si j'ai. Bah oui, forcément. Forcément. Bon, bah, je vais avoir un combat un peu compliqué à gérer, je pense. Faire ça. Contract complete. Pim. I serve only the dragons. Pardon, je fais de l'échange. Ouais, non mais... Mais ça sera pas pour aujourd'hui, pas pour maintenant, en tout cas. Tac. J'ai pris à reconstituer les troupes. To touch a dragonborn is blasphemy. Ça, c'est son moutarde, d'accord. J'ai vraiment besoin de bloquer cette garnison, je ne pense pas. À la Pyrrhus, perte moyenne. Hop. Je vais rester au niveau 1.
Envoy of Council. Tac. Tac. Horned Prophet. La bombe, ça peut servir. Let the bell scream, scream. Ah mais il faut faire le tour pour y aller. Demon crawler. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bâtiment ici? Ça c'est naze. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Par contre, ça c'est bien. Bon, il va bientôt plus y avoir beaucoup de loyalistes. Il lui reste plus qu'une ville et plus d'armée. Par contre, Kyo Jaune ? Ouais. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire la paix avec lui alors. Ah tiens. Oui. Je peux faire la paix et récupérer un petit sous. Ça alors. Non. Taizu s'est fait détruire. Par qui ? Contre qui est-ce qu'il est en guerre, Miao Ying ? Il est en guerre contre Tsinch et Yuzak, je sais pas qui c'est. Ah si, c'est les... C'est la Norska. Comment ça se fait? C'est une rébellion qui a fait péter. Peut-être une rébellion qui l'a pété. C'est fou ça. Bah enjoy hein. Bah du coup, je vais peut-être aller m'y installer en effet. Profite. Juste un peu loin, j'espère que je vais pas me le faire piquer une nouvelle fois. Encore une fois. Ouais, c'est... Ah non, il y a Village qui est là. Oh la merde. Qu'est-ce qu'il fout ici? Ah bah donc voilà, tu sais qui c'est du coup. Voilà, je sais qui c'est. J'aimerais bien pouvoir faire si, un PNL. Il lui reste pas grand-chose à Village. Non, il est plus très en forme. Mais bon. Mais est-ce que t'as intérêt à lui déclarer la guerre? Ah, certainement pas. Voilà. Je vais me mettre en pillage, je vais me mettre... Oh, apparemment il... Ah non. Je suis à moins 9 en... pour un... Oui, c'est ce que j'ai joué, je cherchais... Toi, t'as de bonnes relations par rapport à lui, lui un peu moins, mais... Moi, il m'aime pas trop. Péter les murs, pas terrible. Ah oui, mais c'est... Oui, t'es à moins 15 et improving, donc... Oui, en fait, ce qu'il aime pas, c'est qu'on soit alliés. Ah. C'est moins 31 dans la balance. Mais il aime beaucoup le fait que tu tapes sur KT. C'est bizarre. Bon, et ben je crois que j'ai tout géré. Qu'est-ce que... Oula. Ah, oui, je suis tu en... Tu fais de la diplo. Je fais de la diplo. Quand il n'y a plus rien qui bouge, c'est qu'il y a de la diplo. Je peux faire un PNA avec le clan Féric. Oui, je crois que je suis déjà en PNA avec eux. Hop, pour 248 sous. Et avec le clan Verms. Je peux même faire du commerce avec le clan Verms. Hop. Ensuite, Skrir, je suis presque en PNA. Et c'est tout. Bon. Donc. Tenez-moi cela. J'ai fait de la croissance toujours. Et donc, on va arrêter l'épisode là. Oui. Et... Hop, je vais te montrer un peu je suis... l'état et la complexité de la chose. Oh putain, j'ai Miao Ying qui se raboule aussi. De quelle chose? Ah, du gros combat que t'as à faire? Bah, c'est surtout le combat... Ah, je suis en victoire à la Pyrrhus. Perte élevée, ouais, tu m'étonnes. J'ai que deux invoques. Assez de bouffe bah non, c'est la région que je viens de prendre en fait. Ah oui, d'accord, donc il n'y en a pas encore assez.
Et c'était un peu ce que je craignais. Et j'aurais pas dû le jouer comme ça. C'était pas très malin de ma part. Donc ça va être un coup. Sauvegarder avant? Non, c'est pas grave. On va s'en sortir, mais ça va être un combat un peu compliqué. Mais ça sera pas pour maintenant. Bien, j'espère que l'épisode vous aura plu, les joueurs. On vous dit à bientôt et on vous fait des bisous. Bisous les internets.